Bonjour Noémie, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours ? Donc j'ai été diplômée en 2012, après une année en alternance. J'ai intégré l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui suite à mon alternance. Et depuis, 11 ans après, j'y suis toujours. Donc je travaille chez Arkema sur le site de Lac dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai commencé en tant qu'opératrice. J'ai gravi les échelons, je suis passée technicienne en salle de contrôle, donc je faisais de la conduite des procédés. Et puis après, je suis passée en journée où je suis maintenant contremaître de fabrication. Donc je surveille le fonctionnement des 10 unités, les paramètres de marche, les rejets environnementaux, le respect de la qualité de nos produits. J'encadre également des personnes sous ma responsabilité. Donc j'ai un contremaître adjoint qui s'occupe lui de la partie travaux. Et voilà, je travaille avec divers services. J'ai beaucoup de polyvalence. De par ma formation, je peux avoir des sujets environnementaux comme procédés. Et je travaille avec plein de monde. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre premier poste ? Donc mon premier poste, c'était un poste d'opératrice à l'extérieur. Donc je travaillais à l'intérieur de l'usine. Je tournais des robinets, des vannes, j'allumais des pompes, je démarrais des compresseurs, je mettais en chauffe une colonne à distiller. Et c'était vraiment à l'extérieur, donc ça reprenait un peu tout ce qu'on faisait en TP à l'IUT, mais en dimension beaucoup plus importante, parce qu'on fabrique, on est dans des usines qui fabriquent jusqu'à 160 tonnes de produits par jour, donc la dimension des TP n'est plus la même. Et le rythme de travail sur ce poste ? C'était un poste, donc je faisais les 5-8. Donc je travaillais le matin, l'après-midi, les nuits, les jours fériés, les week-ends. Et 365 jours par an. Y a-t-il des avantages à travailler posté ? On a beaucoup de temps libre sur la semaine. Donc quand on est jeune, c'est assez bien parce qu'on peut faire plein de choses à côté. Le salaire aussi n'est pas négligeable. On a une prime de poste qui est très attrayante. Et après, on vit en équipe, donc moi, c'était ça, c'était ce qui m'intéressait le plus. On est des équipes de 17 personnes, donc on côtoie beaucoup de monde. Ça permet de travailler avec des personnes complètement différentes de nous ou des personnes, au contraire, qui nous ressemblent. Et ça permet d'avoir une petite famille dans un lieu qui n'est pas forcément là où on habitait à la base. Et pourriez-vous nous parler de votre second poste ? Mon second poste, c'était un poste de technicien. Donc là, cette fois, j'étais en conduite des procédés dans une salle de contrôle. Je pilotais à distance les unités que j'avais apprises auparavant à l'extérieur sur mon poste précédent. Donc là, c'était vraiment du pilotage assisté par ordinateur où on modifie des paramètres de marche, on ouvre plus des vannes. On peut aussi démarrer des moteurs à distance. C'est plus de la surveillance que de l'action pure et dure. Par contre, en cas de dysfonctionnement, il faut savoir réagir vite et correctement. Et ce poste était également posté ou tu étais à la journée ? Non, c'était également en poste, toujours pareil dans une équipe de 17. Et donc ça, c'était très enrichissant et on retrouve vraiment, ça met en application vraiment tout ce qu'on a appris durant notre parcours scolaire. Et votre poste actuel ? Aujourd'hui, je suis contremaître d'exploitation, donc je supervise les procédés et j'encadre du personnel en journée. J'ai évolué vers plus de responsabilités. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Ce qui me plaît actuellement dans mon métier, c'est de résoudre les dysfonctionnements et d'apporter des solutions techniques aux équipes que j'encadre. Et pour finir, quel message voudriez-vous faire passer à nos étudiants ? Donc j'aimerais leur dire que c'est important de faire de l'alternance parce que ça permet de voir vraiment le monde en entreprise et de se rendre compte du monde réel après les études. Et puis j'aimerais leur dire aussi qu'il ne faut pas hésiter à prendre des postes d'opérateur parce que c'est la base du métier et que c'est en maîtrisant ce métier qu'on gagne en légitimité et ça nous permet après d'évoluer au fil de notre carrière.